Haïtien frère, moi je dis, pas de parole en pile. C'est justement abonner sous channel là et puis mettre image. Ça, au clair, vous assumez, vous revendiquez le quoi que ça fait partie de groupe stratégique pour empêcher et séance de fête, puisque vous croyez que gagner de l'autre mesure de prendre, que ce soit par rapport à la formation cabinet, par rapport à la conférence président, ou quoi qui était faite avant et séance a été organisée. Et là, bien bonne matin, vous êtes déjà dans l'espace là, et que ce soit sénateur Sud-Est, Ricard Pierre, sénateur. Nord-Ouest, Évalier Beauplan, sénateur NIP, Lenel Kassi, sénateur Ouest, Antoine de Cherami. Et Ansi déjà avec nous sous l'INA, Ansi qui est là, Ansi Bas, ou sous place pour le Sénat républicain. Bonjour, expliquez-moi qui vient s'arrêter dans le moment où on a parlé là. Allô, Ansi? Et effectivement, nous trouvons le Sénat de la République là, parce que nous avons la Cour Sénat, qui est une capacité depuis, nous sommes montrés une image. Il était en surprise pour certains, mais il n'est pas en surprise pour le groupe, pour la très bonne raison que depuis bien le monde qui était là, bien pour nous, il était déjà actif, pendant le temps passé là. Et bien, pour le moment, ça me caractérise, il n'y a pas une importance, en tout cas, il y a plus le sénateur qui là, mis à part. Groupe 4 sénateurs officiellement dit qu'on a opposition. Au présent, plus bien, plus l'autre sénateur qui a affiché la majorité à 15 ans tout. Mais jusqu'à présent, de braquer sous les bâtiments qui logeaient bureau, particulièrement bureau président Sénat, et qu'on attend pour qu'on ait une décision pour avoir, qui soit président Kamila Katafoua, qui soit le président par rapport à les vandalistes qui viennent là, etc. Mais pour le moment, j'aime bien là, dans la Cour Sénat, c'est dans tout le monde, agent de sécurité, sympathisants, et sénateurs de là. Même si à l'extérieur du bâtiment, là, dans la porte, d'identité principale là, il y a plus de monde qui est en ville vieille, il y a des gens qui font bruit, et c'est pas support à un groupe ou à l'autre. Mais ça qui est important, c'est que pour un bon dispositif de sécurité, côté plusieurs unités dans la police, là, yo aux abords du palais législatif, là, et puis à l'intérieur, il y a plus de sénateurs, qui déjà présent, là, tout Dieu braqué, tout Dieu visé sous le président Kamila Kanta pour qu'il suive qui va gagner à l'invitation qui est faite pour nous, je dis très bien ça, parce que là, je n'ai pas commencé, c'est vrai, mais il y a une invitation. C'est vrai, même lui, pour commencer. Là, tout ce qu'on attend, vous connaissez qui ça quoi décider, qui ça quoi sauter. Mais image au côté nous, ouais, que l'opposition, c'est eux-mêmes qui disent encore, ils ont revendiqué ça qui passait, ils ont crasé bureau Sénat. Ils ont crasé bureau Sénat, mais nous, ouais, l'image là, et bagaille, non. Toute la croix, bureau, chaise, tout bail, ça a écrasé. Mais, question nous t'a bien posée, est-ce que vous avez droit d'écraser le Sénat comme ça? Combien de monde qui sont en opposition? C'est quatre personnes qui sont en opposition. Oui, vous êtes capable d'écraser le parce que la police n'est pas capable d'intervenir dans la chambre Sénat pour faire arrêter les gens. Arrêter sénateur pendant une séance. La police n'a pas fait ça. Mais nous t'attendons président Sénat, Kalmira Kantab, qui t'a parlé avec M. Gédéon, directeur général de police, là, pour être capable d'arrêter les gars si tu as fait des ordres pendant le Sénat. Mais président Assemblée nationale, là, président Sénat, Kalmira Kantab, l'oublier que il n'est pas capable de passer. Chef de la police là, l'autre comme ça. Et chef de la police là, pour qu'on t'aide pas lui, faut le connaître que lui pas qu'à prendre l'autre la main chef Sénat, parce que c'est pas supérieur hiérarchique lui. Lui pas qu'à prendre l'autre la main, monsieur. Cela veut dire que nèg yo capable de craser si vous voulez.
Là, nous faisons une petite addition à soustraction. Nous connaissons 29 sénateurs qui sont dedans. Si il y a 4 qui sont en opposition, et puis nous t'a dit dans le secteur tête caléa, il y a encore 3 qui ont joint. Ça fait 7. Mais la majorité a style 22. OK? Cela veut dire que président Sénat, avec la majorité, il y a gagné une offre. Il y a et assez de sénateurs qui n'ont pas qui majoritaire là pour l'État fonctionner. Mais on question à poser nous encore, est-ce que ça capable stopper Sénat fonctionner? Non, ça va pas stopper Sénat fonctionner. Parce que si Sénat, quel que soit axe Sénat poser, axe a pas gagné la sortie de là, il fait net. Si nous devons rassembler en dans un hôtel et puis nous faisons une séance là sans quatre sénateurs de l'opposition, mon cher, quelle que soit la décision prend, il passe net. Cela veut dire que craser bureau, pas utile en rien. Il est capable de stopper la séance aujourd'hui, mais est-ce que est vraiment capable de stopper toute séance qui prend le fait? Tout au contraire, moi, son mistake, son erreur de la part de sénateur Sayo, qui écrasait et Bagalayo, écrasait bureau agent, écrasait Allah. Et puis, qu'on est là, les bail monsieur majoritaire, ils ont raison pour être capable Allah faire réunion payo dans n'importe quel hôtel ou bien dans n'importe quel département dans la République là, en cachette, ils ont passé résolution, hein? Résolution Yovléa, et puis il y a aussi un bal, et il fait tête. Ou capable de dire que, sous la forme, ou bien pas en question de morale ou whatever, mais au fond, depuis sénateur, rassemblé le thé, mettre en bon pied bois, il y a une résolution passée net. Alors, on ne connaît ça. Mais, il y a sénateur tout, qui pas gagné, rien a perdu. Parce que yo l'enfin mandat yo pral fini, yo connaît que yo pas réélu encore, yo pas grand rien à perdre, et puis yo cherche un gens pour boycotter tout ça qu'a fait. Mais faut nous connaître tout, monsieur, mon capitaine de Mayo, tout ça qu'a fait là, c'est une question d'intérêt personnel. C'est une question d'intérêt personnel qu'a réglé. C'est pas affaire peuple qu'a réglé. Parce que si c'était affaire peuple qui a prédé, nous ne pouvons même arriver loin comme ça, nous causer ça. Qu'on est là, nous t'avons demandé une autre question encore. Est-ce que nous avons besoin, est-ce que le pays a besoin sénateurs, députés et parlementaires ça yo? Non, nous pas besoin. Le pays a qu'à fonctionner sans yo. Depuis qu'on est président de la République, qui est capable de prendre des décrets pour passer des lois, nous pas besoin de sénateurs qui manger l'argent peuple là et puis. Et occuper intérêt personnel yo et puis on va faire rien là-dedans. Nous pas besoin yo. Non, Haïti ka fonctionner sans yo. Vous comprenez? Avec décret ministre là et puis c'est pas sénateur qui j'en fais rien pour Haïti anyway. Sénateur député non. Son institution et parlement haïtien son institution t'as supposé mettre la côté parce que lui trop cher. Nego manger trop l'argent pays a. Yo coûte trop cher à pays a. Et tout pays a pas qu'à faire élection sous élection, ça y est. Haïti pas gagné l'argent pour toute élection, ça y est. Son mari pour nous connaître bien. Et puis, Haïti a fonctionné sans y est. Et puis, chaque sénateur, chaque député, entendez, même les ministres qui participaient dans la question gang, dans le secteur privé, tout. Mais, sénateur, député, pas ta supposé impliqué dans la question de gang. Ça fait nous voir que nous pas besoin de moun sa yo. Tout moun sa yo, c'est parole l'argent yo. Parce que chaque sénateur ou bien député yo, yo gen yon ministère à gérer pour faire comme. Et quand c'est prendre l'argent, mettez dans poche yo, occupez femme yo, occupez maîtresse yo, et puis, peuple là, allô le vousan. Nous pas besoin de moun sa yo. Alors, monsieur et dames de la société, moi, t'as souhaité que nous abonnions sur la chaîne là et puis m'apporter l'autre histoire pour nous. Alors, c'est ça que je vais vous dire pour nous aujourd'hui.